je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Donc justement, c'est vrai qu'en étant jeune mandataire judiciaire, j'étais un peu frileuse, et c'est vrai quand on nous parle des rencontres sur les réseaux sociaux, mais il peut y avoir des histoires positives et qui amènent énormément de choses. Donc là, c'est un jeune homme qui a une trentaine d'années, qui a eu un parcours un petit peu difficile, voilà, qui a été suivi par les services sociaux depuis son plus jeune âge. Pendant plus de 4 ans, moi quand j'ai repris la mesure, il y a un peu plus d'un an et demi, il était un petit peu en errance, c'est-à-dire que... il était suivi par le SAVS, le service d'accompagnement à la vie sociale. Tous les projets n'aboutissaient pas, sur le plan professionnel, même sur le plan émotionnel. Enfin, il avait vraiment des difficultés relationnelles avec l'ensemble de ses amis. Il avait vraiment un parcours très complexe. Et il m'annonce quelques mois après, lorsqu'une relation de confiance s'est créée, hein, puisque je venais d'arriver depuis pas longtemps, qu'il avait rencontré une compagne qui vivait hors du département. Voilà, et qui avait 2 filles. Donc, qu'il avait rencontré sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, j'ai été un petit peu interpellée par cette rencontre. Ça vous a inquiété ? Ça vous a... Oui. Ouais. Et puis après, avec du recul, je me dis que qui n'est pas vulnérable lorsqu'on rencontre une personne sur les réseaux sociaux qu'on ne connaît pas. Enfin, au final, on a une surprotection sur ces personnes-là, mais c'est pareil pour tout le monde. Donc, quelques mois après leur relation, il m'annonce la grossesse de sa compagne et il souhaite très rapidement vivre ensemble. Il veut vraiment vivre la grossesse de sa compagne. Donc lui, il fait toutes les démarches pour changer d'appartement, pour prendre un appartement plus grand, pour que sa compagne puisse le rejoindre avec ses 2 enfants à son domicile. Donc on fait toutes les démarches pour que le logement soit adapté, hein, à la nouvelle famille qui arrive. La compagne, elle était enceinte de 6 mois quand elle est descendue. Voilà. Mais ça aussi, alors, comment vous avez réagi à ce moment-là? Parce que là, ça, c'est plus simplement, j'ai rencontré quelqu'un et je discute avec elle sur les réseaux sociaux. Là, c'était pas une relation amoureuse de quelques mois. C'était vraiment une relation qu'il voulait stabiliser. Et je pense que son rôle de papa, il l'avait déjà pris. Voilà. Il s'était déjà visualisé en tant que papa et il avait endossé déjà tout son rôle. Donc on va dire, sur la mesure de protection, ça, sur le côté budgétaire, on a un petit peu laissé de côté les choses du quotidien. Et c'était vraiment, pour me parler du suivi de la grossesse, comment ça se passait, au niveau des rendez-vous pour plus tard, comment on pouvait envisager l'avenir de cet enfant, dans quelles conditions. Donc il était vraiment sur des questions familiales. Vous étiez presque une conseillère conjugale familiale. Alors, je ne dirais pas forcément ça, mais en tout cas un soutien, parce que c'est vrai que c'est de passer tout seul, au final, se retrouver à 4 et à 5 dans quelques mois à venir, c'était assez... assez complexe pour lui quand même. Donc sa compagne est arrivée donc à son domicile, a accouché quelques mois après, voilà, d'un petit garçon. Et aujourd'hui, ça, il a presque 1 an. Voilà. Et tout se déroule bien, voilà. En sachant que les éducatrices qui suivaient ce jeune homme, suivent un petit peu maintenant la famille, hein, par la force des choses. Et c'est vrai qu'on a réalisé un bilan donc, avec ce jeune homme, pour faire le point de sa situation avec l'équipe. Et c'est un jeune homme tout à fait métamorphosé. Il a un discours tout à fait mature, posé, pas du tout agressif comme il pouvait l'être. Même des choses des fois qu'on peut lui renvoyer de négatif, il le prend bien. Il est vraiment... métamorphosé, voilà. Et il prend vraiment son rôle de papa à cœur. Et comme il le dit, moi, j'irai travailler tous les jours parce que maintenant, il faut que je nourrisse ma famille. Voilà. Vous pensez qu'il avait l'occasion, dans son entourage proche, de pouvoir faire cette rencontre? Ou est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'il a pu... C'est grâce aux réseaux sociaux, oui. Parce qu'en fait, les seuls, on va dire, entourage, le seul entourage qu'il avait, c'était des amis parce qu'il faisait du airsoft. Voilà, c'était un sport, un loisir qu'il entretenait, mais à part ce loisir-là, il n'avait pas de lien ou de réseau sur sa ville. Non, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Donc on peut dire que c'est un nouvel espace de liberté dans le monde du handicap qui leur permet peut-être
de s'ouvrir et d'aller au-delà des frontières qui sont peut-être beaucoup plus rétrécies que pour le monde ordinaire, finalement. Oui, tout à fait, oui, oui. Et puis, je pense qu'il n'y a peut-être pas tous ces stéréotypes-là sur les réseaux sociaux, donc ça lui permet d'avoir une liberté et d'être lui-même aussi, donc oui. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent.